Salut, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre écran jaune sur iPhone. Alors, pour le faire, c'est évidemment très simple. On va essayer de le faire ensemble dans cette vidéo. Alors, il est possible que votre iPhone ait ce type d'affichage où vous ne pouvez plus avoir accès à vos données. Alors, la première étape, simplement, vous allez venir ici sur votre écran ou encore sur votre iPhone et essayer d'éteindre et puis rallumer votre téléphone simplement. Donc, vous allez appuyer sur le bouton d'allumage pendant quelques secondes et vous allez simplement éteindre votre iPhone. Il a simplement vient de réallumer notre iPhone, comme vous pouvez le voir ici, voilà. Et sur notre iPhone, on a pu réparer ce problème de manière vraiment basique, parce qu'il est possible que ça puisse réapparaître. Alors, on va faire une chose simple. Vous allez aller sur Paramètres, voilà, sur votre téléphone, vous allez aller sur Paramètres. Il a simplement sur Paramètres, vous allez aller sur Général, et vous allez aller sur Mise à jour du logiciel. Alors, vous allez simplement faire la mise à jour de votre logiciel. Il est possible que l'ancienne version de votre logiciel ait des petits manquements. C'est pourquoi vous allez faire une mise à jour et pouvoir résoudre ce problème. Alors, lorsque vous avez fait la mise à jour de votre logiciel, ou si vous n'arrivez pas à faire la mise à jour de votre logiciel sur votre téléphone, vous pouvez simplement brancher votre téléphone à un appareil, à un ordinateur, et vous pouvez simplement faire la mise à jour là-bas. Ça dépend de l'ordinateur. L'ordinateur quelconque, vous pouvez faire simplement la mise à jour de votre logiciel. Alors, lorsque vous aurez fait cela, il est probable que ce problème soit évidemment résolu. Donc, si à chaque fois que vous avez ce genre de problème d'écran jaune qui apparaît sur votre iPhone, vous résoudre ce problème de la manière la plus simple, comme je viens de le montrer dans cette vidéo.